Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmisla. Tout le monde qui est avec nous, pas ici d'abonner pour la télévision, on commence à faire là. Vous abonnez et vous appuyez cette cloche là. Si vous abonnez déjà, cliquez sur cette cloche là sur tout. Ok? Nous avons un update pour sur Rudy Giuliani. En fait, qui c'est. En fait, qui était avocat Donald Trump. Et nous songeons que Rudy Giuliani est toujours dans CNN, il est tout côté. En fait, il est dans des vents. Il va aller en ville d'un principal défenseur Donald Trump. Dans le dossier Ukraine, là, c'est non seulement autant de caplons, mais c'est l'idée qui est pour l'aller dans l'Ukraine, il a tout le bagaille. En plus, le conseiller Trump dit, monsieur, mais ça va aller trop, là, pour plus de problèmes qu'une bonne solution. Mais ça qui passe, mais Donald Trump, vendredi dernier, il entend prendre distance avec Rudy Giuliani. Rudy Giuliani qui doit présenter comme avocat Donald Trump, eh bien, il a opposé Donald Trump, est-ce que Rudy Giuliani, c'est président ou? Ok? Entendez ça répondre, entendez. Well, I don't know. I haven't spoken to Rudy. I spoke to him yesterday briefly. He's a very good attorney and he has been my attorney. The president's. Donc, entendez bien, Donald Trump me dit au passé composé. He has been my attorney. Donc, ça veut dire bon, en clair, on a parlé là, Rudy Giuliani, pas avocat Trump encore. Trump est en flanche. Et nouvelle qui fait tomber, d'après qu'on est que Rudy Giuliani en bas investigation fédérale. Alors, de en bas investigation fédérale, et bien, où non problème, où sont véritables cibles. Donc, et Donald Trump commence à prendre distance. Rappelez-vous que ancien avocat Donald Trump est en prison. Ça veut dire, on a parlé là, Rudy Giuliani, justement, sous route dans prison, parce que aujourd'hui, il est impliqué dans plusieurs situations. Nous avons appelé dernièrement qu'il y a des amis d'Ukraine qui avaient aidé dans le dossier pour joindre en fait, avec le président ukrainien pour être capable de former un coup pour ton dossier sur Joe Biden. Mais des nègres, ils ont eu le temps d'arrêter. Mon bon bagage encore en plus qu'à parler sur lui. Aussi, c'est non le fait que, eh bien, il a été forcé, il a laissé faire un bagage qui est illégal. Donc, tout dossier, ça a fait que, je ne dis pas, et Rudy Giuliani, eh bien, lui, non, chaud, j'en ai dit. Et Donald Trump, jeudi, obligé, puisque nous connaissons avant nous, dit que quand on dit bon, I don't know, he has been, David Giuliani, pas avocat, lui. Bon, jeudi, lui fait comprendre que Giuliani, c'est un bon monde, ni au DL, ou ni là. De attaquer lui, bon, effectivement, la réalité c'est que Giuliani est dans le show. Et maintenant, je dis que Giuliani est sous pression parce qu'il fait un bon bagage qui n'a pas vraiment de compétences. Côté que l'étape essayé de faire pression sur l'Ukraine pour investiguer Donald Trump. Donc, c'est un premier scandale. Et nous connaissons que deux soviets. Bon, qui ont arrêté et qui sont bons amis, monsieur. Donc, je vais demander à Giuliani, est-ce qu'il y a une investigation fédérale? Investigation. Je dis qu'il faut au courant. Mais ça, vous comprenez, dans ce moment-là, il faut que monsieur commence à chercher avocat. Parce que monsieur, dans le show, vous voulez dire que Giuliani, dans ce moment-là, il faut que monsieur cherche avocat. C'est de vous demander une fédérale investigation. Rangé fort. Lorsque vous choisissez un clan fédéral d'investigation, c'est parce que vous avez un bon bagage dans la main. Donc, je suis honnête dans ce moment-là, qui a supposé et retenir silence pour ne pas parler trop. J'en ai a parlé. D'ailleurs, ancien ambassadeur de l'Ukraine, nous voulons parler de Marie Jovanovitch, témoigné hier en privé devant l'Assemblée des députés qui a mené impeachment dans les décisions de Donald Trump. Donc, alors que vous avez dans le cadre ça, vous n'avez pas témoigné même. Vous n'avez pas occupé. Vous allez témoigner au niveau du Congrès. Maintenant, l'État parlait de son problème lorsque des individus ont mis des intérêts privés. Ok, au-dessus de Sandarelle,
professionnalisme pour capable de joindre ça ou voulez qui pas vraiment dans l'intérêt public là. OK? Bien que Giuliani Fondi a déposé la question, il a dit bon lui-même, il connaît toujours avocat Donald Trump. Par contre, il comprend. Il connaît toujours avocat Donald Trump. C'était hier. Jeudi a gagné. Yahoo News Report qui vont en texte par Giuliani pour dire est-ce que tout bon vrai? Est-ce que il est toujours avocat Donald Trump? Mes amis, je réponds. Mais je dis, et ça n'a pas un problème si Trump est au côté, vous êtes jeté. Donc c'est des deux mondes cap vous faut taille sous lui ou bon bah pas ça. Donc il dit c'est pas un problème. Donc, je connais que il connaît actuellement que effectivement lui pas avocat de Nathan. Et là d'après des questions, monsieur, est-ce que vous n'êtes là? Léo sont bien en vous parler. Est-ce qu'on va parler? Bon, monsieur, j'ai dit, bon, étant donné que l'avocat de Nathan va parler. Mais il dit, elle va avocat de Nathan encore. Après, les données pour les chambres de députés, elle a obligé de venir. C'est ça, vous comprenez. En tout cas, Michael Cohen, ancien avocat, elle a pris 3 ans là. Maintenant, sous peu, c'est pour tout. Vous dites, Giuliani, mais ça veut dire qu'il y a 75 ans, fin grand monde. On est fait un grand monde, on fait faire politique, ou t'es magistrat dans New York ou gain temps. Pourquoi ça veut dire entrer contre trois polé son président déjà problème, on a fait des balles. Maintenant là, je lui ai 75 ans. Vous dernier sur route pour la loi prison, tu t'es 75 ans là. Fin grand monde. C'est terrible lorsque les gens font choix ça, tu t'es choix, pas contre. Tu t'es choix, t'es chargé. Ok? Donc voilà, je vais vous update ça pour tout que effectivement que. Donc on a parlé là, Giuliani, pas avocat Trump encore, donc mettez monsieur Dio. Et quand nous bien, en pile conseil Trump, si monsieur Dio fait ça longtemps. Parce que Giuliani, longtemps, il a parlé de Jacques Répète, il dit, salve, il y a une déclaration que le fait, il a déposé une question, il est en déplacement, il a négocié en Ukraine. Il dit, pas de travail pour personne, c'est pour Donald Trump, il a travaillé même. Bon, une déclaration, ça qui va en pile conseil Trump, peut-être chargé. Je dis comme si monsieur prend Trump, il voulait en bas en bosse. Bon, là, il fait déclaration. Ça. Je dis, il a retiré monsieur dans le collège. Donc, sous peu, nous prenons le temps de causer. Dans le cabine là, monsieur son nègre, à 75 ans, il a fait un grand monde là. Dans le bac de col, au gouvernement Trump, vous connaissez son gouvernement tête chargée. Il y a plusieurs monde, vous mal campé, vous avez coûté trop pour prendre en prison. Et ça, pour nous, acting chef département de la sécurité, il va me donner un jeté, lui remettre démission. Il va là encore. Tout le monde qui est dans l'administration, ça, si vous ne prenez tout bien, PDAJ, c'est au Kawel. Ok? Donc voilà. Je vais vous donner ça pour vous. J'ai toujours dit, je vais vous connecter. On va aller faire un mouvement, ça. C'est abonné. Et puis, vous allez faire abonné et vous pouvez faire comme ça. Et si vous abonnez déjà, checkez comme ça. Et puis, regardez ce que vous faites sur tout. Et puis cloche ça sur tout, c'est pour bon. On va faire tout ça que nous voulons. Ok? D'accord. Voyez-nous bien.